quantité de pluie. C'est assez loin. Ne perdons pas de temps. La situation est de pire en pire. Je sais que tu es inquiète, mais laisse un peu de temps au magistère Vaudin. Du temps ? Du temps pour quoi ? Pour faire souffrir Hugo encore plus ? Il mène des expériences, mais il sait ce qu'il fait. Personne n'est plus compétent que lui. Oh, arrête avec ça ! Il traite mon frère comme un animal ! Non. Il faut trouver une autre solution. Comme cette île dont rêve Hugo. Un rêve ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'un rêve, Amicia ? Continue de veiller sur lui pour moi. S'il te plaît. C'est ce que je fais. Mais ça ne suffit plus. Ils sont tous partis. C'est par ici, je crois. J'arrive pas à croire qu'ils ont condamné la reine. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Bien, notre porte devrait être par ici. Oh, sans peste! Eh bien, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Je la vois. Bon, tu es prête? Oui, allons-y. Thank you.
fera l'herboriste dans ce cas. Il est hors de la ville, non? Il est peut-être épargné. Il y en a trois autres ici. Ils se sont pas laissés faire. Hé ! Qu'est-ce que vous fichez là ? On ne fait que passer. Personne. Oh Seigneur. C'était moi une. Tu viens de tuer un soldat de l'armée de Provence. Je sais. Pourquoi nous a-t-il attaqué ? Regarde. Ils tuent les habitants. Ils exécutent la population. Hé ! Reviens ici, enfoiré ! Attention ! Non ! Bon sang. Eh ben, il ira pas plus loin. Cette vermine est plus efficace que nous. Il nous tuera sans hésiter, c'est une nouvelle voie. C'est nous, maintenant. Hugo a besoin de sa Benetton, et vite. Je sais où vous êtes. Inutile de fuir. Tout écoute, tard. Tu peux utiliser ce salpêtre contre eux. Certains pour préparer de l'extinguis. Ça devrait suffire pour éteindre la torche. Alicia, prends-le. Extinguis. Lance-le sur la torche, Pou. Tu sais. Je sais. Bon sang. Bon. Ça a marché. On l'a déjà fait par le passé, mais c'est toujours... choquant. Oui. Et je devrais peut-être le refaire. En tout cas, merci. Baisse-toi, voilà un autre. Hein ? Ne doit sortir. Oh là ! Que faites-vous ici ? Merde ! N'allons pas voler. Pas le temps de s'apitoyer. Hugo compte sur nous. N'oubliez pas de marquer d'une croix les maisons visitées. Faut impérativement évacuer les cadavres hors de la ville. Mais oui, éloignez les corps. Les rats suivront. C'est complètement stupide. Lâche à mon signe. Maintenant. J'arrive. Allez, plus vite. Derrière toi. Regarde. Pas de rats. Ils se sont arrêtés au mur de la ville. Ils se fichent des murs. C'est à manger qu'ils veulent. Je ne vois pas de soldats non plus. J'y pense. Dans le laboratoire de Vaudin, il y avait une fresque représentant une île. Je l'ai vue, Lucas. Que dis-tu de ça ? Vaudin, c'est forcément quelque chose. D'accord, d'accord. Je tenterai de demander. Merci. Bon. Mère a dit que l'herboriste vivait à l'orée d'une forêt. On ne doit pas être loin. Quel silence. C'est étrange. Il y avait des gens ici récemment. Pas de sang, ni de traces de lutte. Cette forge a été utilisée récemment. Hé ! Il y a un établi là. Tu peux...
peux t'en servir pour améliorer ton équipement. Tu devrais y jeter un œil. On sait pas ce qui nous attend. Oui, d'accord. Tu devrais vraiment te servir de cet établi maintenant. Si ça peut nous aider à mettre la main sur cette belladone. Bien sûr. C'est mieux. Ça m'aidera bien. On peut y aller? Oui. On sort. Oh, il y a un cadavre, là. Les rats? Non. Poignardés. Les soldats, sans doute. Les rats, ils sont là aussi. Je te l'ai dit, ils se moquent bien des murs. C'est à cause des carcasses. Oui, ils suivent le sang à la trace. Mais on ne sait pas où ils s'arrêtent, ce sang. Les hommes paniquent. Je sais. Il faut chercher. Dis-moi à quoi ressemble la belladone. Cherche une fleur violette, en forme d'étoile. Étoile violette, étoile violette. Non, c'est pas ça. Oh, pas de fleur ici. Ton sang, ton sang.
C'est pas ici, Lucas. Je sais. Allons dans la maison. Oui, elle doit être là-bas. Des outils de jardin. Oh, c'est une blague. Il n'y a que de la camelote. Oh, ça ne mène à rien. Et je suis là, au lieu d'être à ses côtés. Comment on va retourner là-bas? J'ai les mains moites. Trouvez-moi tous ceux qui se cachent. Amicia, viens voir. Des soldats. Viens voir par on toi-même. On n'a pas beaucoup de temps, alors remuez-vous. Vous, patrouillez ici. Tenez l'alerte si vous voyez un de ces maudits rats. Les autres avec moi. Prenez tout ce qui a de la valeur. Nourriture, médicaments, tout. Non. Ils vont entrer. Qu'est-ce qu'on fait? Quoi? T'as pas l'air bien. Mais si. Non, pas du tout. T'arrives même plus à respirer. J'ai le vertige. Mon cœur s'emballe. Je sais. Écoute, les soldats vont emporter tout ce qu'il y a ici. Je dois récupérer la belladone avant eux. Il le faut. Non. Tu ne peux rien faire dans cet état. J'y vais. Je serai discret, ça ira. Si jamais il... Alors je m'enfuirai. Ce ne sera pas la première fois. Ici, ces billards. Ils cherchent des remèdes. Un peu comme nous. Sale pourriture, vous allez payer. Thank you.
Du mal. Je m'en remettrai. Merci. Celui-là a compris la leçon. Sale chien galeux. Hey, oublie ce soldat. J'ai trouvé la belladone. Il faut qu'on parte. J'ai entendu des cris dans la grotte. Ils arrivent. Va te cacher. Je m'occupe d'eux. Non. On a ce qu'on voulait. Partons d'ici. Non. Ils vont nous suivre. Et j'en ai assez de fuir. Un homme à terre. Il y a déjà un tru. Alerte. C'est ça. Venez. Je vous attends. Aucune raison d'avoir peur. Amicia, qu'est-ce que tu fais? On doit partir. Non! Je suis fatiguée d'avoir peur. Qu'est-ce que je vais leur montrer que c'est terminé. Qui, toi? Viens, j'ai quelque chose pour toi. Il y a un bouclier. Attention, une intruse. Elle est armée. Lise les sacs, Amicia. Ça va les aveugler.
On n'en a pas fini avec vous. N'espérez pas une mort rapide après ce que vous avez fait. On a payé le bourreau pour qu'il s'amuse un peu avec vous, avant de vous pendre. Tu devrais t'asseoir. Et c'est tout ce que tu as à dire. Allez. Tu peux faire mieux que ça. Il y a toute une garnison ici. Tu devrais te laisser un peu aller. Arrête. Non! Tu vois pas dans quel pétrin on s'est mis. On était juste censé ramener des plantes. Comment tu crois qu'Hugo va s'en sortir sans elle? Et sans sa sœur qui va finir pendue? J'ai fait une erreur, d'accord? Je comprends pas du tout ce qui m'arrive, Lucas. J'ai l'impression de devenir folle. Oui, parce que ce monde fait souffrir. Encore et encore. Et tu veux lui faire payer. Mais c'est un combat perdu d'avance. Tu n'es pas comme eux. Tu es une de runes. Hé ! La potence est bientôt prête. Préparez les condamnés ! C'est nous. Écoute. Ça s'active avec du feu. Attends mon signal. Dehors, vous deux. La corde vous attend. Brad, j'attends ton signal. Restez là. On va attendre le bourreau. Il doit en finir avec quelqu'un, là. Tenez-vous bien devant la bête. Il faut qu'on se dépêche. Vous êtes que des morceaux de viande. Jour bon pour les corbeaux. Lucas, les escaliers, vite. Ça ne durera pas. Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi? J'appelle ça stupéfaction. Tu t'y feras. C'était efficace. Oh, ils sont toujours pas trop. Bon sang, je vois rien. Ça va les ralentir. Tu nous as sauvé la vie là-bas. Oui. Oui. Où va-t-on maintenant? Il doit bien y avoir une passerelle ou un toit. Fermé. Non, non. On ne peut pas rester. Il y a une fenêtre là. Elle surplombe à toi, Lucas. Pas le choix. Oh, Seigneur, c'est haut. C'est sans danger. En quelque sorte. Viens. Oh, wow. C'est pas du tout sans danger. Chut, calme-toi. Viens. Je crois que c'est la seule façon de sortir d'ici. Tu plaisantes? Non. Reste collé au mur. Oh, pitié. Pitié, pitié. Allez, tu peux y arriver. Je suis désolée pour tout ça. Tout est ma faute. Là, honnêtement, je m'en moque. Il y a un autre toit. On y est presque. Oh, on a réussi. Descendons de ce toit, par pitié. J'espère qu'ils ont réussi à se garder les portiers. Je ne peux rien faire. Dépassons-le en silence. Là. C'est quoi? Encore des réquisitions? Ouais, depuis les faubourgs, les portes du quartier débouchées. Ah, alors c'est vous qui êtes tombé sur la folle, hein? Ouais, cette foutue sorcière et sa fronde. Mais la bête l'a eue, et on a trouvé assez de viande pour tenir une semaine. Beau boulot! Allez au dépôt, vite! La fille va être pendue sous peu, il va y avoir beaucoup de monde. Oh, j'y serai! Un autre garde. Oh, il bouge pas, mais il y a un feu. Tu as toujours cette chose qui fait de la fumée. Le stupéfaction? Oui, dis-moi quand tu es prête. Lucas, lance un stupéfaction. Bien sûr. Prépare-toi, vite! On n'a pas beaucoup de temps. Hugo est quelque part là-bas.
ça sert oui. À faire des réserves pour un siège. Retournons à la maison. Pas que les gens vont pas paniquer, mais des émeutes. Ils vont vouloir quitter la ville. Mais quand ils comprendront. Tu sais où on doit aller. Non. Mais continuons d'avancer. Au fait, t'as fini? Vite. Oh non. J'ai nettoyé la réserve. J'ai fait que ça depuis deux jours. Laisse-moi faire une pause, bon sang. Ne bouge pas. Allons-y. Je suis mort de fatigue. Je ne dors plus avec tout ce qui se passe. Belladone doit être ici. Et ma fronde aussi. D'accord. Tu cherches la Belladone et moi je cherche ma fronde. Elle pourrait servir. Oui, la Belladone. J'espère qu'elle est toujours bien emballée. Tes armes. Épée. Dague. Oh, pas de fronde. Peut-être ailleurs. Pourvu que personne ne vienne. On serait... Non. Ne dis plus rien. Oui. Plantes séchées, poudre... Oh, cherche encore. Peut-être ici. Oh, s'il vous plaît. Forcément quelque part. Peut-être ici. Non. Gardons ça pour plus tard. Ça a l'air fermé. Peut-être avec un couteau. Oh, te voilà. Je l'ai. Attention avec ça, d'accord? Je sais. Cette odeur... C'est... Oui. J'ai trouvé la Belladone, Amicia. Enfin. Ça n'aura pas servi à rien. Simplifier un peu la vie. C'est ce qu'il me fallait. Et voilà. Alors, des gardes. On va partir bientôt ? Je sais pas et je m'en fiche. Vaut mieux pas aller là-bas, crois-moi. Bon sang, la sortie est juste là. Ils sont trop nombreux. On ne peut pas se faufiler. On ne peut pas rester non plus. On a besoin d'un plan. Oh, j'en sais rien. Cet endroit est plein de choses. Jetons un coup d'œil. Bien sûr. Tu vois ce que je vois? Quoi? Lucas, occupe-toi de ça, s'il te plaît. Naturellement. On descend. Ça marche. Oui. On rate. Hugo sera seul. Et on mourra. Et on veut éviter ça. On s'arrête ici. Attends. Le stupéfaccio. C'est de la folie, Lucas. Au point où nous en sommes. Allez.
C'est bon. Je crois qu'on l'arme avec la manivelle sur le côté. Je m'en charge. Alors, tu vas ouvrir les portes? Non. Tu dois tirer au travers. Le réactif a besoin de friction. Quoi? Mais on sait même pas si ça va traverser. Trop tard pour s'en soucier. Tu es prêt? Prêt. L'herboriste était sorti. On a dû attendre. Mais on a ce qu'il faut. Nous allons lui donner ceci. Oui, nous avons déjà perdu assez de temps. Comment va-t-il? Il est épuisé. Il s'est endormi quand ça s'est calmé. Dites tout va bien. Il est en de bonnes mains. Les meilleurs, je t'assure. Oui, ça vaudrait mieux. Surtout pour vous. Non. Non. Je sais que c'est dur, mais c'est nécessaire. Ça fait 2 jours! Comment peux-tu rester là, les bras croisés? Il ne mérite pas ça. Je vais le sortir de là. Un porteur qui atteint le dernier seuil, c'est une situation exceptionnelle. Et très grave aussi. Bien entendu, il va falloir l'isoler dès que possible. L'Ordre possède un endroit spécial. Vous voulez enfermer Hugo? Sais-tu de quoi ton frère est vraiment capable? Ça ne va faire qu'empirer. Mais enfin, c'est un enfant! Ce n'est pas de sa faute! Et plus vous le faites souffrir, plus les rats se répandent, et plus il sème la mort! C'est pour cela que nous devons l'emmener. Son pouvoir grandira à mesure que sa vie s'approchera de la fin. Magister, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il veut dire? Amicia, Hugo est condamné. Le porteur ne pourra pas survivre au dernier seuil. Il y a forcément un moyen. Lucas ton a réussi. Ton camarade a seulement gagné du temps quand ton frère a atteint le premier seuil. Mais cette fois, c'est différent. Rien ne peut plus l'arrêter. Aucun élixir, aucune potion. Attendez, il y a une île. Il parle tout le temps d'une île. Elle est peut-être liée à la macula. Le fruit de son imagination. Et qu'est-ce que le fruit de son imagination fait accroché au mur de votre laboratoire? Hein? Qu'y a-t-il là-bas? Pauvre enfant. Tu refuses de voir la vérité en face. Accepte le destin de ton petit frère et le tien. La protectrice a pour seul rôle de faire ce que l'ordre lui commande. Je m'en fiche pas mal de votre ordre. Je ne vous connais pas et je ne travaille pas pour vous. Laissez-moi le voir. Hugo est épuisé, Amicia. Tu ne peux pas aller le voir dans ton état. Laissez-moi passer. Pas avant de t'être calmé. Tu l'as dit toi-même, la macula se nourrit de ses émotions. Quant à nous, nous devons nous rendre au quartier de l'Ordre à Marseille et ce dès que possible. J'ai un bateau et un passeur, Joseph. Il nous attend au port, il faut le prévenir. Quant à moi, j'ai besoin de repos. Venez me voir quand tout sera prêt. Lucas, s'il te plaît, va au port et trouve ce Joseph. Oui, magistrat. Amicia. Viens avec moi. Soyez prudent, s'il te plaît.